Bonjour à tous, c'est Vendrak. On se retrouve en compagnie de Murray pour le 28e épisode de Sly Cooper et la mission ressources limitées. On avance, mais bon. Pour l'instant, notre ennemi accumule les serpes. Écoutez-moi tous, nous devons frapper le chevalier noir là où ça fait mal. Autrement dit, détruire les installations implantées dans les boutiques du village. Tout d'abord, Murray, tu vas te rendre à la taverne. Désolé mon grand, pas le temps de manger. La taverne a été transformée en unité de production de carburant pour les gardes mécaniques. Vas-y et fais ce que tu fais le mieux. Détruis tout sur ton passage. Ensuite, Sly, tu vas retourner chez le cordonnier. Il faut qu'on arrête les machines qui fabriquent ces pièces gigantesques. Et enfin, peut-être le plus important, Richard, vous allez infiltrer la boulangerie. D'après mes instruments, c'est de là que vient l'énergie qui alimente les autres bâtiments. Vous êtes le seul capable d'atteindre le dernier étage, où, si je ne m'abuse, se trouve un générateur. Il n'y a pas une minute à perdre. Tous à vos postes! Ok, vous avez entendu. Ensemble, Bentley dit qu'on peut déjouer cette machination. Ouais! Allons-nous bastonner! Allez, direction la taverne. Murray, tu dois te rendre à la taverne. Et cette fois, je crois que tu peux passer directement par la porte d'entrée. Tu veux dire, passer au travers de la porte? Je veux dire, la pousser, Murray. Bon, il faut toujours un plan B. Mais suffit, oui. Allez, on va tout casser dans la taverne. Murray, tu dois arrêter le système de mixage. Essaie de désactiver ces cuves. Pigez, mon pote! Le Murray va faire pleuvoir la destruction comme un nuage de douleur! Intéressante analogie. Essaie de lancer les gardes dans les cuves. Bah, faut que j'en envoie des gardes. Oui, c'est un bon exercice de l'avion.
forêt. Oh, il est où? Au-dessus. C'était tout. Bon, et ben on passe avec Sly pour la cordonnerie. Sly, tu dois retourner chez le cordonnier. J'ignore ce qu'ils y fabriquent, mais je n'aime pas ça. Faisons fermer le site. C'est comme si c'était fait. M'énerve la caméra pour passer à travers les trucs. Comment ils veulent qu'on la récupère celle-là? Mais non, pas comme ça. Ah, presque. Mais pourquoi il a pas fait son deuxième saut? D'accord. Bon, laisse tomber. Je verrai ça plus tard. Je reçois d'étranges résultats en provenance de niveaux supérieurs de la boutique. Mais ben on va monter. Sly, je crois que tu vas devoir te servir de ton arc. Mais fais très attention à ce laser. S'il coupe la corde pendant que tu te trouves dessus, tu tomberas en bas dans cette cuve de métal en fusion super brûlant. Et c'est mal? Parfois, ton humour m'échappe un peu, Sly. Eh bien, attendons tout simplement que le laser soit passé. Ça nous laissera le temps. Atteins ce boîtier de commande au fond de la pièce et je mettrai un terme à la production. Ouais, ça fait un peu short. Cette fois, Bentley pourrait peut-être inventer une corde anti-laser. Ouais. Ouais, c'était tendu. Je vais prendre les choses en main, Sly. Alors, est-ce qu'on va le voir, le costume de Bentley, là? Bah non. Ouais, je sais pas à quoi ça sert que je l'ai débloqué, hein, je vois pas. Thank you.
truc tout, déjà. Ouais. C'est pas un gros challenge. Beau travail, Bentley. C'est pas demain la veille qu'elle va rouvrir, cette boutique. Bon. Eh ben... allons à la boulangerie avec Richard. Il y aura peut-être un petit bout de pain qui traîne. Ok, Richard, vous devez pénétrer dans la boulangerie. Si elle ferme, les opérations du chevalier noir s'arrêteront pour de bon. N'ayez crainte! Je vais pourfendre la source du mal qui infeste cette contrée! Oui, on va déjà commencer par la source d'énergie de la boulangerie. Alors... Richard, vous devez aller à l'étage supérieur, mais je ne vois aucun accès. Regardez autour de vous, il doit y avoir un moyen de monter. Laissez-moi faire, Bentley. Il y a une croix là. Ah, ou ici. Ok, on y est. Vous devez détruire ces trois générateurs auxiliaires pour désactiver le générateur central. Mais méfiez-vous, j'ai l'impression qu'il y a un système de redémarrage automatique et que vous devrez commencer par détruire tous les générateurs. Assez de tergiverseries. Mettons-nous en action. Oh non! Continuez, Richard! Il faut tous les désactiver avant qu'ils redémarrent! N'ayez crainte! Sir Richard triomphera! Oh la vache! Faites vite avant qu'ils redémarrent! Je ne vais pas recommencer! Vous pouvez le faire! Mais... c'est un problème épineux, certes. Mais bon sang, je saute par-dessus. Il faut juste les désactiver rapidement. Oh, ça m'énerve la caméra en plus là. Elle voulait pas bouger. Saloperie de laser.
Et bien sur ce, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine. Ciao et à bientôt pour la suite.